Maintenant, on va aller dans le côté objectif de dire ce que je pense du livre. Je l'ai lu. Il m'a demandé de lire son livre. Il m'a fait l'honneur. J'ai lu le livre. Et je vais commencer par les détails, par la forme. Il y a un erratum qui a été fait, c'est bien. Mais on a quelques coquilles dans le livre. Il y a des coquilles. Il y a des notes de bas de page qui sont décalées, de la page 142 à la page 148. Les notes de bas de page qui sont annoncées ne sont pas dans cette page, mais sur la page suivante. Il y a des notes de bas de page qui sont annoncées, mais qui n'apparaissent pas. Deuxième chose qu'on peut dire, il n'y a pas beaucoup de coquilles, sauf Fundjoun que vous écrivez avec deux E. Je me permets de vous le signaler. C'est un seul E. C'est comme ça qu'on fait dans les sous-titres. Voilà, merci. Alors, pour les notes de bas de page, il y a aussi des coquilles. Témoignage de Nien Nambaye le 22 avril 81. Et la page suivante, on met témoignage de Nien Nambaye du 22 avril. Le et le du, ça change le contenu du témoignage. Parce que ça prête à confusion. Mais ça, c'est des détails. Alors, ce que je regrette dans le livre, avant de dire ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas de support professeur. De support. Vous avez pu mettre beaucoup de photos parce que vous avez les moyens de le faire. Je pense que ça, c'est... Alors, ça vraiment, c'est des détails que je voulais donner simplement. Et je passe. Pour qu'on ne m'attaque pas d'être subjectif. Voilà. Alors, le livre, sur le fond et sur la méthode. On est en présence d'une méthodologie excellente. Je vais vous dire pourquoi. Tout ce que je vais dire, je vais le démontrer. Iberdeer, dans ce livre, durant tout le livre, à partir de la page 19, fait une confrontation des idées. Et vous savez que c'est du choc des idées qu'apparaissent la vérité. Si vous avez des certitudes, vous avez des idées et vous restez dans votre coin, vous n'affrontez pas les idées des autres, vous ne faites pas de l'histoire. Et il a un esprit critique qui apparaît dans tout le livre, Zuccarelli, Wilson Johnson, et il a même été très sévère avec le fils de Blaise Diagne, qui donne des informations erronées. Wesley Johnson, si vous lisez son livre, il y a des erreurs. Zuccarelli, c'est pire. Moi, j'ai écrit 425 pages où j'ai détruit ce que Zuanke, Zuccarelli et Mamoudou Dia ont écrit, avec des preuves à l'appui. Et jusqu'à présent, personne ne m'a interpellé pour me dire pourquoi tu as écrit ça. Et il a fait exactement la même chose avec les gens. Et c'est ça l'historien. L'historien, c'est l'esprit critique. C'est la confrontation des idées. Et si vous ne confrontez pas vos idées avec les idées des autres, vous ne pouvez pas avoir un esprit critique. Et dans ce livre, de la première page à la dernière page, c'est la confrontation des idées. Et mieux, vous avez franchi une étape que moi je n'avais pas, parce que vous êtes mon maître. Vous présentez toutes les thèses hein, dans le livre. Il présente toutes les thèses sur une question. Question donnée, il prend toutes les thèses, il les donne. Voilà les thèses. Ensuite, il prend thèse par thèse. Thèse inacceptable, thèse inexacte, thèse exacte. Et lui, il donne sa probabilité historique après. C'est ça la démarche d'un historien. C'est une démarche d'un intellectuel. Et ce que je dis, je crois, il a un esprit critique. Vos analyses sont d'une profondeur extraordinaire dans ce livre-là. Vous allez au niveau des détails, le détail le plus truc, et il a l'art de détailler, d'expliquer ce qu'il veut dire. C'est pourquoi moi, je conseille aux gens de lire ce livre, mais surtout aux étudiants, de le lire pour pouvoir s'approprier la méthodologie, la démarche historique de ce livre-là. Deuxième chose dans ce livre que je trouve pertinent, c'est que Iberdeer, le professeur Iberdeer, excusez-moi, il a recueilli les sources orales. Vous savez que on dit souvent, j'ai juste une citation que je voulais partager avec vous pour montrer comment les Européens écrivaient notre histoire, parce que je vais y revenir. Si la feuille ne s'est pas envolée. Alors voilà. En 1960, un des professeurs émérites de l'Université d'Oxford disait ceci. Aujourd'hui, les étudiants veulent qu'on leur enseigne l'histoire de l'Afrique noire. Peut-être y aura-t-il à l'avenir un peu d'histoire africaine à leur enseigner, mais pour l'instant, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a que l'histoire d'Européens en Afrique. Le reste, c'est obscurité, et l'obscurité n'est pas sujet d'histoire. C'est-à-dire, notre histoire que nous avons, aujourd'hui, j'y reviendrai, c'est une histoire des Européens, ce n'est pas souvent l'histoire, notre propre histoire. Et Iberdeer a utilisé, le professeur Iberdeer, a utilisé les sources orales au même titre que toutes les autres sources. Il donne la même valeur aux sources écrites et il donne la même valeur aux sources orales dans ce travail. Et il les confronte, c'est-à-dire il ne cite pas simplement, il confronte une question de les sources écrites, sources orales, et c'est ça qu'on attend d'un historien. Et c'est pourquoi je disais qu'il a été très dur avec le fils de Blaise Diagne. Certains auront dit, bon, c'est le fils de Blaise Diagne qui m'a dit que son père a.
Mais il traite les propos, il les analyse, il les démonte point par point pour dire que ce qu'elle raconte, c'est faux. C'est le mot qu'il a écrit. Ce que Raoul Diagne a dit est faux. Et il démontre que c'est faux, etc. C'est même la même chose pour les autres aussi, The Coralie, etc., etc. Alors, il corrige les dates. C'est-à-dire, il lit le livre, quelqu'un qui a une question donnée, il va dire, lis ce livre-là, et il corrige les erreurs de ce livre-là dans son truc, et il donne la véritable version et la véritable date. À partir de la page 213, il va dire, parle des élections, les conditions du scrutin d'avril 1914. Là, je lance un appel aux hommes politiques de le lire, parce qu'il parle de la moralité des opérations, des mœurs électorales, de la corruption, chantage, intimidation, le bureau de vote, le secret du vote, la liberté de vote et la sincérité des élections. Alors, ça, c'est le handicap de notre démocratie. Dans notre pays, chaque fois qu'il y a des élections, on conteste les résultats des élections. Les vainqueurs, bon, les vaincus n'acceptent jamais, et toujours il y a des problèmes durant ces élections. Alors donc, nos hommes politiques doivent lire cet ouvrage-là, et surtout cette partie de cet ouvrage qui traite des élections du 10 mai 1914. Alors, à l'époque, il démontre que c'était la tolérance. La tolérance était la règle dans les campagnes. À part quelques écarts, les gens avaient un débat civilisé. Mais un débat, excusez-moi, dans nos assemblées ou dans les assemblées africaines, je ne vais pas dire Sénégal, mais de manière générale, comme ça on ne m'attaquera pas. Mais dans nos assemblées, les gens, le débat est faible. Que ça vous plaise ou non, il y a un débat civilisé, élevé, scientifique qu'on doit faire. C'est tout à fait terrible. Mais on ne peut pas faire des débats avec des injonctions, des intimidations, des insultes, des trucs. Ça, ce n'est pas un débat. C'est même pas digne. Alors qu'à l'époque, en 1914, les gens avaient des débats civilisés. On peut s'opposer, opposer nos idées. Mais nous ne sommes pas des ennemis. On échange, et puis celui qui a raison, qui a les arguments, mais il a les arguments, il a les bons arguments. Alors, donc, je reviens aussi à la page 323, à partir de la page 323, vous parlez de la révolution. Alors, ça, j'ai bien aimé, la révolution. Mon frère, Ignan, l'a un peu brossé. Mais là aussi, il va faire une analyse minutieuse d'abord des résultats, avec une objectivité déconcertante, en mettant la réaction après les élections de tous les camps, je dis tout. Les vainqueurs, les vaincus, les indécis, tout le monde a sa part. Il analyse et il dit pourquoi c'est la révolution. Il n'a pas utilisé le mot révolution par hasard. Il sait ce qu'il dit. Il dit que c'est une révolution. Il nous dit, il y a la révolution parce que les Noirs s'assument. Jusqu'à présent, c'est les Blancs et les Métis qui dominaient le pays, surtout les Métis. Il dit aujourd'hui, en 1914, et si vous lisez le livre, on vous explique. Toutes les intimidations, on coupe l'électricité, on coupe l'eau. Oui. Oui. On dit à aux Léboula, si vous votez pour Blaise Diagne, oui. Vous n'aurez pas. Ils ont coupé l'eau. Oui. On les a menacés. Oui. On a profité de la peste de 1914 pour brûler leur maison, leur nourriture, leur bœuf, etc. Tout ce que vous voulez. Oui. Et malgré tout, toutes les intimidations, la maison commerciale qui appelle les gens pour le dire, on ne va pas vous faire de prêt pour aller faire votre traite. Exactement. Malgré tout cela, les gens ont voté pour Blaise Diagne. Donc les Africains, les Noirs, s'assument à partir de 1914. Et jusqu'en 1914, il n'y avait que les Blancs qui dirigeaient et les Métis. Aujourd'hui, en 1914, les Noirs ont assumé leur culture, leur pays, etc., ce qu'ils voulaient. Ils ont compris, ils ont toujours compris, je crois. Ils se sont accommodés à cette situation, mais le moment était venu aujourd'hui de s'assumer. La deuxième révolution, c'est la révolution personnelle pour chaque Noir à l'époque. Et les gens se sont battus pour cela. La troisième, c'est la révolution des mentalités. Les mentalités ont changé. Tous les Sénégalais ont pris conscience. Il y avait une conscience. Une conscience politique qui existait et qui était là. Ils avaient la révolution, la dernière, c'est la révolution de l'égalité et de la dignité. Alors, ça aussi, c'était très important. Et enfin, il y a la révolution des Libous sur les dons modernes. Excusez-moi si vous êtes Saint-Lusier, moi je suis Saloum Saloum, pire Saloum Saloum. Les Saint-Lusier, ils nous prenaient pour des paysans. Si vous allez à Kaolack, il y avait quartier d'art. Parce que c'était les fonctionnaires de Saint-Louis qui venaient, qui nous prenaient du Saloum comme des paysans et qui étaient dans votre Mamoussi, tu m'excuseras si je dis ça. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, oui. Même on a le Dakar Domindar à Kaolack. Donc il y a un renversement des situations. Les mentalités ont changé parce que, les mots ont pris le dessus sur les Domundars, les Saint-Lusiens. À partir de la page 351, il analyse les conséquences de cette révolution. Alors là,
c'est très intéressant, il a un peu effleuré Benga. Ibader révèle ici l'attitude raciste des milliers d'Européens incarnés par le gouverneur général. Vous savez que cette élection-là, les Européens n'avaient jamais pensé qu'un noir pouvait se présenter et gagner. Donc, ils ont fait de la démocratie. Mais ils sont tombés dans leur propre piège. Et c'est pas surprenant parce qu'ils avaient des certitudes. Les gens qui ont une bonne certitude, quand on est un intellectuel, on ne peut pas avoir une certitude. Il faut toujours avoir le doute. Mais ils avaient la certitude que Blaise Diagne ne remplissait pas les conditions pour réussir et qu'il ne pouvait pas gagner. Donc, ils jouaient le jeu. Ils ont oublié aussi qu'ils n'étaient pas des Sénégalais. C'était des étrangers qui ont dominé, exploité, humilié les populations qui sont là, qui attendaient le bon moment. Et le bon moment est venu quand Blaise Diagne a accepté de se présenter comme candidat aux élections. Et donc, on réagit en conséquence. Alors, ils ont été vaincus par leur propre jeu auquel ils ne croyaient pas. Ils ont organisé les élections démocratiquement, mais ils ont perdu parce que... Alors, cette victoire de Blaise Diagne, pour moi, révèle la mauvaise foi de la politique d'assimilation. Parce que pour eux, Blaise Diagne devait être un béni-oui-oui. Et c'était le paternalisme qui fonctionnait. Malheureusement, Blaise Diagne a profité aussi... Bon, ça, on y reviendra peut-être vers la fin. Blaise Diagne a profité d'une situation et est devenu quelqu'un ou quelque chose qui l'a aidé à... Parce qu'aussi, il a été aidé, poussé jusqu'à réussir. Parce que tous les obstacles qu'il a surmontés, Blaise Diagne à lui seul ne pouvait pas le faire. Alors, Ibader apporte un éclairage aussi sur une autre question. C'est être français, c'est quoi? Vous savez qu'il y a une politique ambiguë d'assimilation. Cette politique ambiguë d'assimilation donne la citoyenneté aux Sénégalais, des quatre communes, en leur retirant de l'autre main ce qu'il leur a donné. Ce n'est pas des citoyens à part entière, ce n'est pas des Français. Ils ne bénéficiaient pas des mêmes avantages que les Français. Et ça se retrouvera quand on fera recruter des tirailleurs sénégalais. Le problème se posera, est-ce que vous êtes Français ou vous n'êtes pas Français? Est-ce que vous allez chez les tirailleurs ou est-ce que vous allez dans l'armée française? Bon, ça, alors, donc cette ambiguïté voulue et entretenue de la société française dans les quatre communes, Ibader la montre. Pour sa conclusion, je suggère aux gens qui n'ont pas le temps de lire tout le livre, de lire la conclusion. Là, il fait preuve d'une synthèse, de capacité, de compétence, comme on dit chez nous, compétence de synthèse extraordinaire. Si vous lisez la conclusion, vous avez tout le livre. Alors, donc, les gens qui ont des problèmes pour lire, vous pouvez faire lire cette partie qui révèle une compétence très difficile. Et vous savez que c'est le défaut des Sénégalais, nous, Sénégalais, notre défaut, c'est qu'on ne sait pas faire une synthèse. Allez dans les réunions, vous écoutez les gens qui vont faire une synthèse, vous verrez que ce n'est pas des synthèses qu'ils font. Ils font autre chose. Alors, en conclusion, c'est ma conclusion, moi, à partir de tout ce que j'ai dit. Nous sommes en présence d'un ouvrage monumental de décontamination des esprits des Sénégalais. Ce qu'on a écrit dans notre histoire jusqu'à aujourd'hui, c'est des contre-vérités. On a écrit des choses qui ne sont pas vraies. Il y a des gens qui ont écrit des livres dans ce pays, ils tirent le drap de leur côté. J'ai fait ça, mon grand-père a fait ça, etc., etc. Ceux qui connaissent ce pays-là, ceux qui sont assis devant vous là, il y a des choses, ils ne vous le diront pas peut-être, ou ils le diront, ou ils l'écriront.